Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? Dans ce moment-là, son seul dossier qui a fait actualité, c'est le dossier immigration aux États-Unis. Eh bien, il y a un paquet de raquettes qui ont rangé là pour faire l'argent dans le dossier ça, pour prendre l'argent dans les Haïtiens qui sont en Haïti, pour prendre l'argent dans les familles qui sont dans la diaspora, pour faire rentrer vite aux États-Unis dans le cadre du programme migratoire que l'administration Biden a fait. Eh bien, il y a Blas Nunez Neto, qui est secrétaire par intérim dans la cause politique frontalière à l'immigration aux États-Unis qui parlait et le poté yon paquet de bonnes nouvelles. Rete là, m'bral ba nou plus de détails dans la vidéo si là, dans yon petit moment. Canada une fois, Canada encore, eh bien, pays Canada annoncé yon plus déterminé pour yon camper par bon côté peuple haïtien, par bon côté gouvernement Ariel Henry pour aider yon combattre problème insécurité qui a ravagé pays là. Gagné ministre des Affaires étrangères canadien, à tout ministre défense nationale, Anita Anon, yon annoncé yon bonne nouvelle là qui gagne pour avec pays d'Haïti ou pral konne exactement qui s'allie. Yon l'autre 12 janvier. Chaque 12 janvier, ramenez-nous directement à catastrophe ça, gros tremblement de terre qui était passé 12 janvier 2010. Et chaque monde gon souvenir de catastrophe ça, gen moun qui était perdu petit yo, gen moun qui était perdu parent yo, gen moun gen madame qui était perdu mari, gen mari qui était perdu madame, gen petit qui gen ti moun qui orphelin qui perdu ni papa ni maman. Non façon ou non l'autre, chaque haïtien gon souvenir de 12 janvier 2010 qui ramené nous avec une situation catastrophique de notre pays, 13 ans après. Et est-ce que Haïti levé par rapport avec le tremblement de terre 12 janvier 2010? Seul ça qui est sûr, c'est que tremblement de terre, ça, nous gagnons, liquider de graves séquelles en de notre pays, quitter des séquelles psychologiques, liquider de graves séparations dans la famille, liquider les gens qui traumatisés, liquider les gens, jour et jour, qui gagnent des séries de vides qui pas qu'à combler dans eux-mêmes. Non, façon non, l'autre, tremblement de terre, ça, li marqué en pile vie. Tremblement de terre, 12 janvier 2010, li pas seulement mettre Haïti à genoux, précisément le nap gade capitale pays Port-au-Prince, c'est ravagé, c'est ravagé. Mais tout, gon bagay ou doit toujours songer. Chaque coup, nous parler de 12 janvier 2010, nous toujours doit songer 12 janvier, ça, tremblement de terre, meurtrier, ça qui passait en Haïti. C'est un pot tout l'été ouvri pour grande corruption, pour la grande corruption en Haïti qui commençait à partir de l'action communauté internationale. Journée jodi, 13 ans après, contre l'argent reconstruction pays. 13 ans après, est-ce que y a une reconstruction qui fait? L'hôpital général, est-ce que y a une reconstruction? Un ensemble de ministères qui t'écrasé, est-ce que y a une reconstruction? Palais national, est-ce que y a une reconstruction? Alors que, t'es gagné l'argent, paquet des millions et des millions et des millions de dollars qui t'est disponible à travers ces IRH. Mandé famille Clinton, yo, côté l'argent reconstruction pays. Mandé ancien premier ministre Jean-Max Belrive côté l'argent, mandé ancien premier ministre Michel Duvivier Pierre Louis côté l'argent pays, bon nous pas ka mandé Préval, Préval parle encore, président Préval li parle encore. 13 ans après nous ouais, corruption qui gen en Haïti journée jodi en là, qui vient intensifier, qui vient prendre plus dimension, qui vient aussi grave comme ça, li commencer avec international là. Impunité qui gagne dans toute action que des séries de nègres sous scène internationale, des séries anciens présidents, anciens madame président américains, yo participé là de manière flagrante. Nous tout ouais, nous tout connaît yo participé dans corruption, nous tout connaît yo participé dans dilapide de l'argent reconstruction pays d'Haïti. Mais pas jamais bon monde qui levait le petit doigt pour dire y a poursuivi, y a attaqué, y a posé question. Journée jodi en tant qu'haïtien, 13 ans après gros catastrophe ça qui te mette pays à genoux. 13 ans après gros catastrophe ça qui quittait en pile séquelles, qui quittait gros douleur non paquet de famille, c'est occasion non seulement pour nous penser mais c'est occasion tout pour nous demander aux autorités on l'autre fois encore assumer responsabilité pour yo combattre question corruption ça en dedans pays. 13 ans après 2010, moi voulais nous comprendre que ravage tremblement de terre 12 janvier 2010 est toujours là. Séquelles yo toujours là, conséquences yo toujours là. Je prends un exemple simple. En 2010, tremblement de terre passé,
Te yon certaine solidarité, haïtien te tellement solidaire en 2010-2011, yon te paré pour aider l'autre, yon te paré pour épauler l'autre, ou pas de côté pour être, ou pas de côté pour dormir. Moi même qui te en battante, l'homme te toujours, m'te paré pour m'te font ti côté, coincé comme pour fourrer corps pour à l'aise. Nous gon ti sac duri, n'a fait fon moi côté nous yé, nan zone côté nous yon place nous en camp. Pour qui ça? Parce que nous te pensé à ce moment de la durée, c'était monde l'autre après le fini, Haïti après disparaître, t'as une nécessité pour nous côté sur l'autre, t'as une nécessité pour nous être solidaire. Journée jeudi à là, on a regardé réalité. Hein? N'est pas de problème au monde là, c'est pour lui oui. Problème pour c'est problème pour, il pas concerné X, il pas concerné Y, il pas concerné Z, pas de solidarité encore. 13 ans après, haïtien pas solidaire. Parce que yo vin comprendre, son tremblement de terre l'été, c'est pas la fin du monde, c'est pas Haïti qui a disparaître. À l'époque, yo douce, c'est bon Dieu qui a frappé Haïti, etc. C'est, yo comprendre, nous obligés conscientiser, nous obligés aider une l'autre pour nous pas mourir, pour nous pas passer parmi la foule, etc. Nous même qui l'a 13 ans après, c'est pas plus chanceux, nous plus chanceux que moun sa yo qui te allé, que moun sa yo qui te frappé par catastrophe là. Journée jodi an, au moins nous supposé assumer responsabilité non seulement comme haïtien, comme citoyen, nous supposé assumer responsabilité nous comme moun pour nous impliquer nous dans problème social yo, impliquer nous dans chercher solution avec problème pays yo, garder voisin koto là, s'il le faut sous cabale le bras, sous aider à travers son situation difficile, li la dan pour aider. 13 ans après tout, tremblement de terre 2010, li contribuer largement dans ça nous gagner forme dans forme de sécurité. En 2010, tremblement de terre fait, l'état pas ka contrôler territoire là. Tout le monde a essayé de chercher un côté, un terrain vague, un côté qui n'a pas de caille pour aller à l'abriter, pour aller mettre tente, etc. C'est ça que fait, on regarde un paquet de côtés aujourd'hui, là, des séries de zones, 10 ans, 13 ans de cela qui n'a pas habité, je ne dis pas, c'est bidonvillisation. L'autre Canaran. Canaran, je dis, sont bidonvilliers. Sont bidonvilles parce que, yo même des séries de moun qui sorti en province, des séries de moun qui sorti dans Port-au-Prince, yo obligé à chercher un côté pour aller cacher ko yo, un côté pour aller abriter yo, un côté pour aller recommencer. Et puis l'état qui pas assumé responsabilité, l'état qui failli à mission, l'état qui démissionné, yo pas géré question aménagement territoire, yo pas géré question urbanisme, et puis sortant de là, tout moun a fait kaye nan tèt moun, tout moun a fait bidonville tout côté yo vle, Canaran c'est bidonville, ou pran Onaville c'est bidonville, Jérusalem bidonville, tout ça yo c'est conséquence, tout ça yo c'est conséquence on l'état qui failli, tout ça yo c'est mauvaise gestion post-séisme après tremblement de terre du janvier 2010, l'état pa gen aucun contrôle, tout moun fait ça yo vle, jan yo vle. Parce que à l'époque, c'était survivant qui te compté. Cherchons une façon pour être en vie, cherchons une façon pour protéger tout. Et je ne dis pas, là, on regarde qui ça Canaran représente dans l'instabilité, dans la question insécurité en dedans pays, dans créer violence en dedans pays. Nous avons le malheur pas nous. Nous avons le malheur pas nous dans rentrer dans le pays avec les Canaran. Police nationale d'Haïti a gen lo malheur pa, policier a gen lo malheur pa yo, yo gen quotidien pa yo avec nèg Onaville yo, nèg Jérusalem yo kap taye banda. 13 ans après, c'est vrai gen quelques ti avanse ki fait. Gen quelques souke ko ki fait parce que journée jodi an la gen moun ki a construit qui au moins respecte norme sismique yo. Qui respecte, mais comment construction doit faire, mais ça doit mettre dans le poteau, dans le poteau, etc. Pour protéger dans le cas d'un éventuel tremblement de terre qui a pu passer. Mais de manière générale, l'État n'a pas fait rien. L'État n'a pas responsabilisé la société, n'a pas responsabilisé le peuple. 13 ans après, je veux songer que tremblement de terre n'est pas en fatalité. Il n'est pas en fatalité dans le quotidien. En pile pays, le quotidien en pile moun, li fait partie de vie, il fait partie de monde là, etc. Et c'est pareil pour nous parler. C'est pareil pour nous parler. Et bon, n'a pas rentré dans l'information, yo, kounye ya. Non, ça qui est pour ouais avec dossier Canada, moi, dans le commencement émission, que, et gagné, ministre des Affaires étrangères canadien, Mélanie Joly, avec ministre défense nationale là.
et qui yo même yo annoncé une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle là, c'est qui s'allie hier, yo publié et des informations qui vient pour avec et deuxième convoi blindé yo voyé pour police nationale d'Haïti. Yo fait qu'on est que gouvernement Canada yo paré pour yo aider non seulement Haïti mais également police nationale d'Haïti pour faire face avec un problème insécurité qui a taillé bandan dans le pays. Yo rete plus que déterminé pour aider PNH. Pour PNH gen moyen disponible dans mais pour policier gen moyen adéquat dans mais pour yo combattre fléau insécurité pour yo combattre question gang grand banditisme journée aujourd'hui là qui mettait quotidien haïtien yo qui mettait haïtien en difficulté pour yo vivre et nous qu'on est déjà qui quantité parole en pile question blindé ça a été fait Canada le PNH l'état haïtien t'es fait commande blindé yo et non seulement yo t'es pour un paquet de temps pour répondre là yo vinn répondre kounye à la même nan pour blindé vini yo ba en premier date li pas respecté le blindé yo reçu vini le la police commencé à aller dans intervention avec blindé yo blindé chauffé blindé pas ka déraper soit attendé à là gagné différents experts est-ce que c'est experts certifiés yo nous pas connaît qui gétan dou blindé aussi blindé bon cathédrale police yo pas ka aller dans opération à blindé yo c'est blindé de secours etc. Et bien hier et nous voyons que gagné yo avion militaire canadien qui débarqué là et sous tamak là et puis s'entendre à blindé commencer à sortir pour voyer by police nationale d'Haïti qui pour aider combattre question insécurité, question grand banditisme en Haïti. Yon fait qu'on est que Canada li demeure préoccupé par situation en Haïti. Gouvernement canadien la continue faire pression sur responsable violence en Haïti pendant y a continué imposer des sanctions. Y a imposé des sanctions à élite politique là, y a imposé des sanctions à élite économique là qui a supporté gang, qui a supporté qui a financé action criminelle en dedans pays là. Et moun sa yo yo loué automatiquement suspend fourni bandi yo moyen, suspend aide bandi yo pour bandi yo si men la troublay en dedans pays là parce que journée jodi là peuple haïtien a souffri trop, peuple haïtien en situation difficile, y a décapitalisé classe moyenne, haïtien couri qui était payant, y a fui payant. Donc il faut que l'état haïtien non seulement assume responsabilité yo dans ça qui gagne pour avec sanction yo doit prendre, yo doit bailler avec différents groupes moun sa yo qui a supporté gang, qui a supporté bandi en Haïti, mais communauté internationale là, yo même y a fait ça yo ka fait dans la mesure du possible pour yo aider Haïti. Donc moi te quoi sont très bonnes nouvelles bandi yo leur web blindé yo gen on bandi yo montré tout temps y a essayé intimider police y a essayé intimider PNH leur y a fait vidéo y a montré paquet nèg ki nan gang yo paquet zam yo gen nan base etc. Ça yo son forme d'intimidation on comprend parce que l'on regarde des séries de zam nèg bandi yo gen pour faire année à la m'a regarder Jean Jeff Canaran fait vidéo un paquet de soldats tout nèg gen manche long nan men yo on pose des questions côté manche long za yo sorti comment yo fait joindre zam sa yo disponible qui est-ce qui continue à faire zam rentrer pour bandi yo ou bien comprendre que combat question insécurité en ou met contre gang en Haïti c'est pas bagaille qui facile lié li pas facile parce que problème non moun ki ta sensé là pour combattre problème non pour porter solution avec problème non yo fait partie de problème non yo fait partie de problème non est-ce que ou même ou gen franchise est-ce que moi même gen franchise qui est journée aujourd'hui là qui bénéficie franchise qui est qui ka fait conteneur entrer qui est journée aujourd'hui là qui gen accès pour faire 2-3 conteneurs entrer et conteneur pas de vérifier. C'était Nexayo qui n'en reprend, Nexayo qui n'en pouvoir, ou te gen des sénateurs qui étaient là, reprend, yo gen conteneur qui a prêté pour yo, Nexayo a fait contrebande, yo pas qu'à vérifier conteneur, eh bien, jodi an la, par les sénateurs encore de dans le pays. Yon par les qui gen immunité parlementaire. Donc, on y a 6 ans, continue à prêté dans douane yo. Là, on a pas bon idée de qui est-ce qu'a fait yo rentrer. Est-ce que c'est toujours un sénateur qui te gen immunité? Yo pas gen immunité, yo pas là encore. Ou bien est-ce que c'est nèg pouvoir Ariel Henry ou nèg PHTK yo ou bien tout nèg sa yo qui dans secteur privé yo qui gen pour privé yo qui a fait magou yo k'ap manigancer ça ap manigancer sous le peuple là parce que jodi faut que nous suspendre chercher coupable yo ça et là
En pile fois coupable devant Dieu, nous complice devant Dieu, nous mais nous peur dire vérité, nous peur dénoncer nèg yo, nous peur longer droit sur yo. Li pa ka nèg yo pa ka gen tout accès à yo. Non moment côté que l'état dit le contrôler port, l'état dit le contrôle douane yo, comment faire gang nèg yo yo vinn gen plus nèg? Comment faire gen recrutement ka faire dans base nèg yo? Au contraire, c'est diminuer pour ta diminuer parce que l'État contrôle les douanes, l'État contrôle les ports, etc. Ils n'ont pas qu'à entrer. Chaque raison, ils ont venu, ils ont saisi, ils ont saisi, ils ont venu des problèmes, ils ont venu des panneaux. Nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les nègres ont gagné plus de possibilités, plus d'accès pour faire recrutement. Ils ont gagné plus de nègres. Oui, bal jogue plus neg, neg yo vin gen plus zam, plus bal ka prêtre pou yo. Donc l'état nan moment n'a parlé à la gouvernement Ariel Henry, pa gon merde la prègle nan question insécurité en vrai. Yo pa gon merde la prègle. Ou ni a si l'état dou, yo gen contrôle port, yo gen contrôle tout bagay. Cargaison zam pa ka rentrer, kou ni oblige tourner yo vers neg sa yo ki gen machine corps diplomatique, ki gen machine consulaire nan, corps consulaire nan men yo. Nèg sa yo ki nan international lan, de série de diplomates, est-ce que c'est yo même qui a utilisé fonction yo, qui a utilisé immunité yo, pour yo faire zaman bal entrer dans le pays? Parce que nous pas ka mon pays, nous pas ka contrôler rien. Insécurité la augmenté, insécurité violence criminelle la a intensifié, mais nous pas jamais ka bote une réponse, nous pas jamais ka mette bandi yo dans une situation pour yo inconfortable. Bandi yo plus confortable que policier. Police a tombé dans l'exercice fonction, pas rien, même enterré en pile fois le bac à enterrer, et pour un bandit en tombé, il a fait gros enterrement pour lui, il a fait mario pour lui, il a avec ce qu'il a, il a fait chaud, etc. etc. Même on descend, la police pas qu'à faire pour dire au bras le mario. Tout n'a pas défilé avec mario, et mario défait en sous yo, gros âme yo nan do yo. Police en même qui mourit dans l'exercice fonction, même enterré le bac à enterrer. Qui paye nous le fait? Tout ça, son situation pour nous dire policiers, décourager ou bien courir qui te paye y aller. Parce que y a travail dans institution qui pas honoré, y a travail dans institution qui pas con valeur, bandi a touye yo, bandi a touye yo, kap terrorise population. On dirait que, non, groupe gang yo ya, gen plus service administratif la pi bien fait que dans police nationale d'Haïti. Yo pi bien administré. C'est grave. C'est grave, oui, situation ça. Journée jodi en là, et ça fait moi-même toujours dire, est-ce que nous avons une situation pour nous décourager les gens qui disent, y a couru qui te paye pour aller. Des séries de gens là, et faut me dire ça tout. Faut me dire ça, des séries de gens là, des séries de familles. Yo pas jamais content de yo ce bon moment là, tout moun a prele moun, téléphone moun yo a sonné des séries de numéro, yo pas jamais connait qui connait le yo des séries de ti fami yo te connait yo gen c'est vrai, mais tellement yo pas jamais prend nouvelle fami ça qui dans diaspora, yo di moun yo ping, yo pas voyer rien pour yo. Mais nous connait pas de bagaille la comique là, yo pas connait qui problème moun yo gen tout non l'autre bois, mais kounye a boum, Biden mette diaspora ça à l'honneur. Vous comprenez? Kounye a, mais yon même ka fè je yon chèche la, et pou yon écrit, pou yon relè, pou yon commence di tati, toto, cousin, vieux famille, comme ou yon. Mais vous m'a dit un processus, m'a gardé devant immigration. Ça nous te konouye avant yon pou konye. Ce matin la, yon cause devant immigration. Bon, hier soir, m'a pren bureau immigration au Kaila, li 6 heures. Li 6 heures, moun yo di yo pa font pas, fok yo depose passeport. Fok yo fè passeport parce que vle pa vle, nan pi ya isa Biden nan bay lan, yo pa prete fok yo ale. Et bon, situation ti jan, li yon ti jan vraiment. Et comique parce que pour nous ouais motivation haïtien gagner pour yo quitter paysan et gens moun yo motivé gens moun yo mobilisé pour yo aller c'est bagaille tête chargée haïtien déterminé ou là yo veut faire un bagaille yo ka faire là yo veut faire un bagaille yo ka faire bon ami dit li te mettre c'est pour yal prend faut qu'il fait passeport parce que faut qu'il y aller li pas prêter. Eh bien, j'aime te annoncer le gagné Blas Nunez Neto qui c'est secrétaire par intérim dans cause politique frontalière migration aux États-Unis qui lui-même li parler, li ba en pile détail sous cause et programme payroll que et humanitarian payroll que administration Biden n'en prend là. Qui ça lui dit? Lui fait connait que et
nous et nouveau programme migratoire que l'administration Biden n'en prend dans intention ressortissant quatre pays qui concernent Nicaragua, Venezuela, Cuba avec Haïti et son programme similaire avec un programme que yo te prend et pour ukrainiens avec également des vénézuéliens à un certain moment. Il faut connaître que programme ça objectif programme payroll là c'est pour yo et c'est pour yo mettre fin, OK, c'est pour yo combattre question immigration illégale moun k'ap pran kan terre moun k'ap pran range forêt etc. pour rentrer aux États-Unis de manière illégale. Et bien avec nouveau programme ça quoi qu'arrêté nan peyou sou gon moun ki aux États-Unis qui remplit condition que département d'État américain fixé yo moun sa ka sponsorizo la ka fò rentrer aux États-Unis. On va connait que programme nan yo mette le campé pour le permettre avec un moun qui a vive aux États-Unis qui gen moyen pour appliquer pour un cubain, un vénézuélien, un nicaragouin ou bien un haïtien qui voulait rentrer aux États-Unis. Yo fait connait que sponsor la moun ki aux États-Unis cap sponsorizo la premier bagay li gen pou le faire li doit prouver capacité le gagner pour le prendre soin moun la sponsorisant capacité bénéficiaire la ça veut dire ou même que tonton Jean a rentré aux États-Unis tonton Jean li doit prouver immigration américaine que le cap prend soin lors rentrer aux États-Unis ou pas pral nan food stamp ou pas pral dans programme manger gratis yo ou pas pral dans soin l'hôpital gratis sous malade sous gon tête fait mal là y a pral non l'hôpital privé avou sous grand pou y a ka manger sous ta envie à l'école ou ka l'école tout so besoin y a ka faire pour son forme de responsabilité li et kounya c'est là problème nan et grand pile moun ka poser question par rapport avec exigence ça que l'État américain fait sponsor yo. Est-ce que jounen jodi an la, est-ce que gen moun qui en toute âme et conscience li pral prend responsabilité pour dou la faire rentrer alors que li connaît que toute responsabilité ça yo impose à lui-même, OK? Pendant 2 ans ap gen pour passer aux États-Unis, est-ce que le pari vraiment pour li aider yo? Et gen des séries de moun papa il a fait ti ko yo poser là ti ko yo reprend yo innocent yo bon moun pour yo ka rentrer et puis kou rentrer et puis boum ou rive nan kay moun nan bois nan del ou rive nan kay moun nan manke le dega ou geta kouri wale etc. ou je non nèg bon là et puis s'attendre à s'attendre à là ou geta allo geta te gen ou te geta bon l'autre diaspora captain nou geta ou comprend nous bay malaria en kou bon bay malaria en kou et ou quitter Kayla comme si moun yo vraiment prudent grand pile moun c'est pas vle on comprend depuis les programmes dans lancé c'est pas vle le pas vle rentre ou ou dans les petits chéris c'est pourquoi vle le pourquoi vle rentre ou la pose des petites questions pour le est-ce que s'il rentre ou est-ce qu'on pas vinn ballon coup dans dos est-ce qu'on pas vinn balle mato donc quitter le réfléchir toujours dit ça et puis après la commencer processus sans pour et bien nous niez netto li fait connait que dans 4 pays ça yo yo pas metté aucun quota. Yo fait qu'on a gagné 30 000 moun États-Unis à recevoir chaque mois. Pas de quota pour yo. Gen des séries de moun dans les cap 17 500 cubains, 7 500 vénézuéliens, 7 500 nicaragouins, 7 500 haïtiens. Non, pas de quota. Yo faut qu'on ait les premiers arrivés, les premiers servis. Moun qui applique avant yo, c'est yo même y a répondu avant, c'est eux-mêmes qui a bénéficié de programme nan pour moi qui en cours là. Donc par rapport avec situation ça, c'est pied coup de prend devant. On comprend c'est pied coup de prend devant parce que pas de place cap kembe, pas de monde cap vinn kembe chaise pour moun, cap kembe place pour moun, lancer initiative là, faire appliquer pour dans programme nan pour yo ka étudier dossier là. Le fait qu'on est tout et tant qui est parti pour yo analyser dossier et ni bénéficiaire ni moun k'ap sponsoriser bénéficiaire là li prend environ 3 à 4 semaines mais ça pas vle dit tout c'est 4 semaines la prend ou bien 3 semaines la prend gen moun yo ka répondre ni non semaine gen moun yo ka répondre ni dans 2 3 jours tout dépend de sa dossier en gen la dedans tout dépend de qui quantité recherche a bien pour yo faire tout dépend de qui quantité information tout y a collecté sous moun sa yo qui applique l'autre bagay qui extrêmement important pour qu'on ait que Neto partage avec grand public là c'est que et chaque mois 30 000 moun qui a appliqué c'est 30 000 moun qui a recevoir 30 000 moun qui a bénéficié visa pour 2 ans pas de question et yo dit 30 000 moun y a pris 29 000 moun y a pris 17 000 moun y a pris 15 000 moun etc autant de dossiers autant de moun qui a appliqué
y a privé à exactement 30 000 moun. Et y a disposé de yon quantité moun qui a travaillé dans le bureau département d'État américain, dans Homeland Security, pour analyser dossier moun yo, pour analyser parcours moun yo, chercher information, collecter information sous moun yo, yon façon pour yon ka répondre moun yo, très 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 rapide. Mais qui ça qui important pile pour même qui gen visa B1 B2 pour konnen officiel américain li fait konnen que li pas recommandé pour moun qui gen visa B1 B2 pour yo ta participer dans programme nan, mais tout li pas interdit. On comprend, yo pas refuser, yo pas interdit au moun qui gen visa B1 B2 participer dans programme nan, non, mais yo pas recommandé. Par exemple, sou gon visa et ou gon visa 5 ans, ou gon visa 5 ans, yo pa wè nécessité, par exemple, ou gon visa touriste, yo pa wè nécessité pour l'appliquer non programme pour 2 ans. Non, yo nan programme humanitaire ça k'ap durer 2 ans lui-même. Donc sou gen visa B1, gen visa B2, pa nan fè tête chaud, voyager sous visa ou fè ti aller vini tankou touriste, ou bien sou te gen l'autre bois pour période TPS, c'est encore mieux pour vous. Mais sou gen visa, yo pa recommandé pour participer nan programme nan. Yo fait konnen que États-Unis gen bonne volonté pour aider pays sa yo, États-Unis pour aider Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haïti pour yo combattre question immigration clandestine, moun ka prend bateau, moun ka risquer la vie yo pour yo prendre la mer pour aller chercher la vie mieux. Par rapport avec programme ça, c'est rete tête frette, cherche une famille, un ami, un monde qui gen bonne volonté pour appliquer pour vous pour aider rentrer aux États-Unis. Donc nous niaise bon toute information ta supposé qu'on est, et ça qui beaucoup plus important c'est que programme n'est gratuit, pas occuper aucun racketeur, pas occuper aucun bluffeur. Aucun a tout fait qui a demandé l'argent pour le doucel pour l'appliquer pour vous. Sous gain mon autre bois bail $1000, sous pas gain mon autre bois bail $3000. Ça qui est important, il faut qu'on ait depuis bon monde qui prend l'argent dans mon cadre programme si là, ou pas besoin peur dénoncer le bail département d'État américain, dénoncer le bail autorité immigration yo même yon fait suite nécessaire yo, parce que programme nan son programme qui gratis, programme nan son programme qui pour aider moun, c'est pas un programme pour enrichir criminel à tout faire zéféiste qui besoin faire l'argent dans situation difficile que nous y a. Hier c'était tout pas ancien sénateur Youri La Tortue pour le te faire yon point de presse pour le défendre tête li. Déjà m'a dit nous, la défense est un droit sacré, tout moun nan ki voit accusation sous dol ka défendre tête li, son droit le gagner pour ça. Le map gande sénateur Youri La Tortue qui a expliqué, qui a ba ensemble d'explications et sous sanction États-Unis et Canada pour contre li yo. M'chita, m'gade, m'souke tête moi parce que sénateur ka défendre tête li. Sénateur ka défendre tête li. Parce que li fait connait sanction sa yo États-Unis et Canada pour contre li yo, yo prend sous base politique. C'est parce que le pas d'accord intervention militaire étrangère. C'est parce que le pas d'accord avec et façon Ariel a dirigé pays, etc., qui fait au décider sanctionnel. Bon, si c'est comme ça, le bagay, là, il y a un problème. Et, gen Chérif Abdallah tout pour janvier, qui mette col de yon, qui dit c'est menti à faire sous dol, c'est sous base, c'est sous base rumeur États-Unis à Canada, c'est sous base rumeur principalement Canada sanctionné li, li pa gen rien pour louer avec insécurité en Haïti, li pa gen rien pour louer avec violence criminelle en Haïti. Nous te gen Jean Risséan, ancien premier ministre de son état, qui lui-même tout, li te courir, li crier oh complot, c'est persécution politique, reprend. Nous gen la mort ancien premier ministre également de son état, qui lui-même il était crié oui fort persécution politique, il était dit c'est mascarade, c'est démagogie, c'est sous base tripotaille que Canada sanctionné lui. Nous comprenons finalement que payant c'est Haïti qui problème, non, mais c'est pas acteur yo. Tout le monde a couru mettre quoi au dehors, tout le monde a couru a essayé laver image, a essayé défendre tête yo. Yo yo pas gagné pour yo avec insécurité avec des criminels qu'a fait en Haïti. Nous comprenons définitivement ces pays qui ont un problème. Mais ce n'est pas acteur qui a un problème. Ces pays qui ont un problème, ce n'est pas moun qui prend décision politique qui a un problème. C'est ça que nous voulons faire nous comprendre. Ce qui est plus grave là, c'est le sénateur, c'est sénateur Youri La Tortue, lui fait connaître que États-Unis et Canada sanctionnés, mes amis, c'est sous base livre les dossiers zombies. Ou quoi? On livre
qui l'a bien longtemps. On l'y va plusieurs reprises, me fait émission sous lit. Chaque émission me fait des séries de, reprendre des séries de militants, des séries de chécho, toujours à écrire les faits menaces, etc. Et puis, le sénateur a dit, c'est courant sanctionnel, là, le reconnaissance de livre, là, oh mon Dieu, papa. En tout cas, il a dit, si moun ba, j'aime démenti grand moun. Si moun ba démenti grand moun, mais moi-même, m'oblige dit sénateur, monsieur le sénateur, l'honorable sénateur, ou menti gouchin. En tout cas, bon qui te nou avec avec point de presse sénateur te bay hier là, on va gagner plus d'état ou même moi ka faire idée pa. Est-ce que Yuri la tortue a bay menti ou bien est-ce que l'a dit vérité ou bien tout nèg yo nan yo a propre tête sur. On regarde ensemble. N'a saluer tous les amis la pression et nous très contents de ce que tout le monde là jodi a yo répond en grand nombre. Dans l'invitation de point de presse qui fait pour aujourd'hui. Premièrement, on a dit son mise au point que nous voulons faire, puisque après environ 2 mois, depuis que il y a des sanctions qui étaient prises par les pays États-Unis et Canada contre moi-même personnellement, et après les sanctions sérieuses, nous avons dit que c'est des sanctions politiques. D'ailleurs, que Pifomoun est d'accord, c'est des sanctions politiques. Il était important pour nous faire une mise au point ça, jeudi à 2 mois après date 4 novembre 2022. Ça. Nous dit premièrement à tout le monde qui attend de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi personnellement, moi victime déjà de sanctions sérieuses en pays. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, il y a eu des noms, où il y a eu des suspicions de drogue sur nous, et il y a eu des décisions contre visa nous, parce qu'il y a une suspicion. Et depuis le SAM, il y a entamé une bataille. Qui te fait que 3 ans après, au niveau de Wikileaks, nous avons dit que c'est Fritz Meuse, on est qui était accaparé pour Bonaïve là, qui était à l'opposé plainte, qui était à le dénoncer dans l'ambassade américaine le 7 mai 2005, parce qu'il n'a pas voulu payer pour Bonaïve là, il m'a dit de payer. Et le Sahara, la bataille a été faite. Jusqu'à ce que mal devant tribunal, jusqu'à ce que toute famille te dit que ça monsieur te fait pas bon, nous t'allons devant tribunal et te gagne bataille là. Et monsieur te présenté excuse-lui parce que lui connaît ça te fait pas bon, c'est pour le cas capable pour vous naïve là. Il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement dans l'État, puisque bataille ça que nous t'avons fait là, c'était pour que l'État te récupérer pour. Et le Sahara, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis te réévaluer justement question sanctions que ont été prises contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver, nous venons retrouver une situation côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça, puisque nous n'avons jamais signifié nous aucune décision. Immédiatement que la question est venue, nous avons dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça qui est arrivé déjà. Nous avons entrepris plusieurs actions. Actions que nous apprenons, nous avons écrit pays États-Unis, nous avons écrit pays Canada, parce que nous avons parlé de façon générale pour nous demander. Qui ça que vous reprochez nous spécifiquement? À date, vous n'avez jamais répondu. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail ça qui fait que nous venons découvrir un document, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombie 5, et en français, les dossiers zombies. Côté que
livre ça a dit fait pour sénateur Yuri Ladotu. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à ne plus finir contre moi-même. Et là, nous avons gardé mes livres là, ni en français ni en anglais. Mais, arrêté sous question sanction, il a tout. Dossier, on se met toujours marcher avec dossier. Je ne parle pas sans parler de dossier. Nous comparer le livre là, qui sorti en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. N'a privé sur tout à l'heure. Ça nous est dans le livre là. Dans le auteur livre là, son un nom que nous avons Max Kill. Max Kill. Ça est très important, même pour arriver, c'est le maman dossier. Eh bien, ça nous est dans le livre ça. En 2019, que le livre là sorti, il dit, le livre là accusé. Il dit que Yuri la tortue a fait droit avec le pays Colombie. C'est ça que vous dites dans le livre là. Dans chapitre 9, page 147 et 148. C'est ça que vous dites dans le livre là. Eh bien, dans la sanction, vous prenez 4 novembre 2022, vous dites dans la décision que m'a fait droit avec le pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Vous dites dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159. 164, 165, 166, 167, 168, que m'a trafiqué les armes avec l'Afrique du Sud. Yo dit dans sanction yo que moi-même tout m'a fait trafic des armes avec pays étranger. Et dans livre là, m'ta remet peut-être nous voir comment nèg ça qui écrit livre ça beaucoup rivé sous nom. Comment il définit? Il dit m'a fait trafic d'armes avec pays l'Afrique du Sud, nous avons compté deux armes qui étaient arrivées dans douane Port-au-Prince. Pour qui ça au pas qu'un conteneur parce que pas de courant, nèg qui t'a supervisé conteneur comme pas de courant, pas supervisé, il devait aller comme ça. C'est pour montrer comment Max Kell nèg il dit qu'il écrit livre ça. C'est envoyé monter puisque dans livre ça pas gain rien d'académique ni de prouvé. Troisième, ça yo dit dans le livre là. Yo dit me fait me participer dans violence. Yo dit moi t'a distribué armes en 2009 dans le livre là oui avec René Mon Plaisir. Tout le monde connaît que moi t'ai en opposition avec président Prival parce qu'il y a aucun rapport entre moi-même et René Mon Plaisir. Yo dit dans le livre là me t'a distribué armes. Dans chapitre 11, page 169 et 175. Dans chapitre 12, page 189-191. Alors que, yo dit, dans la décision sanction, yo, que moi-même, me fais violence également nan, avec bandits dans le quartier populaire. Donc, nous, ouais, exactement, ça qui dit dans le livre-là, yo vin reprendre ni dans la décision sa yo. N'a pas continué. Livre a été écrit par Max Kill. N'a pas gardé nom, Noé M A X K I L. Non ça, d'après ça, il dit son officier qui t'a travaillé aux Nations Unies en Haïti. Comme dans livre ça, à la fin, là oui, monsieur dit son officier qui a travaillé aux Nations Unies en décembre, nous écrit Nations Unies. Nous dit Nations Unies mais gagné officier qui dit la travail la caillou qui écrit sous nous qui fait diffamation nous ta remet ou même ou identifier jusqu'à date pas de réponse nous t'es obligé le noyau pas de réponse parce que nous pas camper là son dossier politique nous t'es obligé employer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis équipe juridique ça permettre nous découvrir vrai monde qui écrit livre là. Moun qui écrit livre là, li rele Bernd Grabner. Bernd B E R N D T Grabner G R A B N E R. En effet, monsieur c'est un officier qui travaille aux Nations Unies
en Haïti sont autrichiens qui travaillent de 2005 à 2015 et qui étaient, d'après ça, le dit, à travailler dans des dossiers en bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, monsieur rentré à Haïti en 2005, il est quitté en 2015, et actuellement, monsieur a travaillé en Afrique. Mais ça nous vient, ouais, c'est que Ben Grabner, il fait tout bagaille, faut un bon en pile dans l'investigation, dans le dossier, pour découvrir les bizarres. Et j'aime pas le dire, là, je ne même pas que les Nations Unies connaissent ce monsieur qui écrit le livre-là. D'ailleurs, dans le livre, il a accusé les Nations Unies tout. Il dit que les Nations Unies ont transporté drogue dans la machine. Eh bien, ça, monsieur fait dans le livre-là. Nous connaissons, là, on livre avec lui de façon académique, on rapport avec lui de façon académique, moi, je fais plusieurs rapports, ou obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre, ça, pas gagné maison d'édition. Pas gagné maison d'édition. Lui-même qui fait propre livre, lui publie. Pas gagné également enregistrement droit d'auteur. Nous te dit, pas gagné compagnie d'édition. Code barre livre là, ça nous est là. Il n'y a aucun rapport avec le livre là. Code barre là, dans tout le monde qui écrit le livre, c'est ensemble d'informations qui permettent ou lier avec le livre là. Pas gagné. Email que monsieur Météa, il va marcher. Et ou pas jeune en photo de lui. Les amis disent est-ce qu'avec mon livre, ou pas accusé des monde, ou pas identifié, ou pas de photo, ou pas de rien. Donc ça veut dire que monsieur connaît cet haïtien nous et que nous pas besoin ni monsieur eh bien écrit livre là pour que li mette sous tout réseau Amazon la vendre alors que toute salle dit dans livre là son trac international. Mais nous allons regarder beaucoup plus. Question. Puisque la novine Alfouyezo dans Kalalou, nous voyons que Ben Grabner, qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier d'affaires, 1 million de monde dans la rue. Tu as parlé de Petro-Caribé, monsieur pas parlé de Petro-Caribé. Monsieur pas parlé de Dermalon. Monsieur pas parlé de Sophie Daï. Monsieur pas parlé de franchise au rapport que Sénat a fait que nous t'ai fait. Monsieur pas parlé de contrebande. Monsieur pas parlé de question passeport yo. Monsieur pas parlé de ONG. Pendant temps ça, il y a 10 rapports qui fait dans Sénat. Qui a dénoncé mon cap volé, dont moi-même principalement. Monsieur n'a pas parlé de aucun dossier ça. Et puis il a fouillé sur le calalou. Et l'on regarde dans le livre là, n'allez toujours, dans la page 321, 324, Ben Grabner dit, mais qui est-ce qui était le président d'Haïti? Mais qui est-ce, son ancien premier ministre, je ne sais pas si c'était dans le livre là. C'est monsieur qui a président d'Haïti qui a fait meilleur et c'est un homme qui premier dilapidateur font Petro-Caribé. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête nous a continué. Et c'est le ça nous vin ouais que le président Jovenel en février 2019 te font discours nous changer. Il te dit mon opposition yo c'est au plan drogue. C'est yo qui gen bandi. Et c'est le ça, yo te remet, parce que le livre la sorti en mai, yo te remet li rapport sa yo contre tout nek qui de l'opposition, dont moi-même personnellement, qui te, eh bien, qui te fait Petro-Caribé, et nous songe, rapport sa son faux, puisque nous connaît exactement le ça, c'est le président qui te payé, eh bien, et Anel, pour que li te vini, puis yo te fait démagogie, mais en même temps, yo font dossier. Brent Gardner, monsieur dit dans le livre là, attendez bien, monsieur dit dans le livre là que il travaille en collaboration avec l'ambassade américaine et c'est là le bail dossier. Monsieur dit qu'il y a une méthode dans l'ambassade là. Monsieur dit que tout ça le fait,
li fait yo en collaboration avec international. C'est qu'on y a nous vinn découvrir comment officier Nations Unies ça li entend avec gouvernement contre opposition et secteur mafieux qui était dans Petro-Caribéa, dilapidateur qui était dans Petro-Caribéa. Et ces dossiers ça yo qui montait depuis 2019 contre opposition et contre monde qui t'a dit vérité pour yo fait caractère assassination. Ça veut dire yo pas qu'a tuer yo, yo voulait détruire caractère yo. Mais pas oublier que même moun sa yo qui devine côté même d'ap écrit Petro Caribéa qui te dit y a bon tout avantage pour me battre maintenant yo dans Petro Caribéa qui te fait menace. Justement, c'est moun sa yo que Ben Gavner dit qu'il doit président d'Haïti parce que c'est moun qui pique clean dans le pays. Et nous dit tout parce que nous ne pas tromper d'ennemi. Nations Unies, pas qu'on est, c'est nous qui écrit Nations Unies pour nous dire nous écrivons une affaire légale qui est dans New York. Pour nous dire que même qui écrit le livre ça, parce que dans le même livre là tout, lui critiquer Nations Unies. Et actuellement, la travaille pour Nations Unies en Afrique. Puisque il était retourné travailler de 2019 à 2021 en Haïti, et qu'on y a, il y a en Afrique, la travaille pour Nations Unies. Donc nous-mêmes qui avons écrit Nations Unies pas de café travail là. Nous joignons maintenant, nous écrit bureau affaires légales à New York pour nous dire mais ça on employé à faire et moi le dis nous qui ça nous mêmes nous dit dans lettre là tout à l'heure fort de tout ça qui passé là nous venons comprendre comment gouvernement haïtien secteur mafieux Petro-Caribéa avec officier ça et peut-être l'autre té a monté dossier sur monde pour que yo te ka détruit opposition donc moi-même qui t'ai écrit 10 rapports pour te éclairer Gémonio dans Petro-Caribé côté 1 million monde t'es près la rue t'a dit yo pas vle corruption. Fort de tout cela nous se dit tout à l'heure nous écrit affaire légale bureau affaire légale pour nous dire que jodi a nous demandons pour le Bureau des Nations Unies de faire une confrontation entre nous-mêmes et Ben Gavner. Parce que s'il écrit sur nous, je dis à nos besoins. D'ailleurs, nous avons côté monsieur en Afrique, nous faisons des marches pour nous parler avec elle, pour nous confronter. Il ne veut pas faire confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur écrit sur nous, il écrit sur tout réseau. Li écrit dans le livre, li écrit dans l'ambassade pour que li détruit justement personnalité nous et nous mandé bureau affaires légales là pour faire confrontation sinon justement pour que yo retire le livre ça de circulation ou du moins révoquer le pour que nous même nous ca poursuivre devant la justice comme c'est envoyé Nations Unies que li nous mandé tout pays États-Unis, Canada, qui t'est servi à rapport ça yo, pour que yo réévalue question. Parce que je dis à bataille là, c'est pas étranger qui a fait contre nous. C'est même monde en dans pays ça que yo découvre la corruption, la volée, qui yo même gien l'argent dans main yo, gien moyen pour yo arriver craser monde. Mais moi-même, moi dis ça, sénateur Adotti, une bonne bataille. Et ma bataille parce que je dis à moun sa yo, yo pense que yo ka fè n'importe qui bagay dans le pays sa. Nous dit, nous pas tromper d'ennemi. Ce n'est pas des dossiers qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada. C'est des dossiers qui fait ici. Et trio qui pote dossier sa yo, c'est Ben Gavner, qui est officier des Nations Unies, avec peut-être l'autre. C'est dilapidateur Petro-Caribé et c'est gouvernement haïtien yo même qui devant mauvaise gouvernance
penser que meilleure façon pour le faire, c'est craser moun qui campé tête à tête avec. Et c'est peut-être ça, nous prenons chemin légal là pour affronter le dossier. Yo. Et nous affronter le dossier, yo, le Ben Gardner à bail. Tout le monde qui était campé avec lui. Parce que je dis à nous penser que, après 2 mois de silence, moi j'ai fait silence là parce que j'ai besoin de bagay. Premièrement, connaître ça, reprocher spécifiquement. Et en même temps, enquêter sur le dossier. Ça. Et moi, merci à tout le monde dans l'équipe juridique non, ici et aux États-Unis qui permettent que le travail ça le fait que je dis à nous qu'à découvrir volume dossier que un monde capoté pour le détruire l'autre monde pour écrire un livre côté que livre là son tract international ou accuser un monde n'y pas aucune référence pour que livre ça l'a circulé dans toute communauté internationale là il a pris des paroles là dedans pour vrai alors que n'y pas rien de vrai là dedans. Et pour que Ben Gardner ça, il continue à travailler dans les Nations Unies sous l'autre nom. Hein? Il mettait un nom, Max Kell, c'est pas un roman ou écrit, son livre ou écrit pour accuser les gens. Et que je dis à, hein, ou caché pour que ou écrit ça. Et monsieur connaît pertinemment que dans l'autre pays, il n'a pas tout à fait ça. Et les Nations Unies doivent prendre responsabilité. Parce que les Nations Unies n'est pas venu pour la craser les gens qui ont fait politique dans le pays. Je dis à nous regarder les Nations Unies, que ce soit en Haïti et que ce soit dans New York, parce que là où ils viennent pour aider avec l'autre amélioration, ils ne viennent pas venir pour détruire les gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Et c'est dans ce sens ça. Moi, je dis, moi, pour continuer, question ça. Nous avons une réponse du bureau affaires légales. Nous avons fait toute démarche pour nous arriver à faire confrontation. Mais pendant ce temps, nous soumettons le dossier à tout le pays pour réévaluer la question et pour voir comment il y a des gens qui mènent et prennent des décisions qui sont purement locales, qui sont purement dans l'intérêt. Parce que si je dis, tout le monde connaît, c'est le sénateur Latortu qui a fait le plan pour que vous finissiez la question. C'est moi qui ai fait le plan, qui a dit si vous appliquez dans 3 mois. Nous avons l'autre situation. C'est moi qui ai pris position pour l'équipement de la police. Et depuis novembre, tout le monde a regardé pour voir comment la situation est, sans pas besoin de faire commentaire. Mais ça, moi, dit, après que je finis d'écrire bureau affaires légales dans New York, je vais continuer la bataille. Bataille pour la sécurité des haïtiens. Parce que je dis à le peuple, il n'y a pas de sécurité. Il faut batailler ça à continuer. Bataille ça que je me consacre la donne depuis 2021. Moi, j'ai besoin d'éclaircir la situation pour montrer côté dossier politique ça, l'issue. Et m'attendre que l'institution réagit. Mais pendant ce temps, je continue la bataille pour peuple haïtien. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Désespoir de machination politique, Hélène nous dit mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la valet pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même